demandons depuis longtemps si la vie existe sur d'autres planètes. Et notre culture populaire puise à l'imaginaire de la science-fiction depuis plusieurs décennies. Les premières observations relativement fréquentes d'objets volants non identifiés remontent à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Les observations qu'on a faites ont lieu en 1944, en novembre ou décembre. On apercevait ces boules de feu qui frôlaient les ailes de notre avion. Celles que j'ai aperçues étaient blanches. Plusieurs autres ont rapporté avoir aperçu des lumières rouges et quelques-uns des lumières vertes. Certains nous ont dit qu'ils avaient tenté de les poursuivre, mais ils n'ont jamais été capables de la rattraper. On tournait vers elle, et elle se détournait de nous. Et lorsqu'on tournait pour s'éloigner d'elle, elle suivait. J'ai tenté de l'observer dans ma mire, mais je n'y suis jamais parvenu. Notre avion, le Mosquito britannique, pouvait voler à 450 nœuds. On l'a poussé à fond à quelques reprises pour tenter de s'en approcher. On n'a jamais pu s'en approcher. Les pilotes surnomment ces ovnis « Foo Fighters ». Il pouvait aussi bien s'agir d'une arme secrète allemande, d'hallucination visuelle ou de toute autre chose. Je pense qu'on ne sait pas encore si c'était leur imagination, des hallucinations, des extraterrestres ou un objet télécommandé au sol par les Allemands. Mais en 50 ans, rien n'a changé la perception qu'il s'agissait d'objets volants non identifiés. Les observations de Foo Fighters cessent à la fin de la guerre. Deux ans après la Deuxième Guerre mondiale, dans l'État de Washington, le pilote civil Kenneth Arnold, aux commandes d'un petit avion privé, aperçoit d'étranges objets volants près du mont Rainier. Les appareils oscillent, tournent et semblent se déplacer plus vite qu'aucun autre avion connu. La nouvelle se répand rapidement. Les médias baptisent « soucoupes volantes » les disques volants aperçus par Kenneth Arnold. La vie a repris son cours normal aux États-Unis. Mais les observations d'objets volants non identifiés se multiplient. Se pourrait-il que ce soit des avions de reconnaissance soviétique ? Cela expliquerait leur présence à proximité des bases militaires stratégiques. La peur s'installe. Les secrets de la bombe atomique sont menacés. Le risque d'une guerre nucléaire fait monter les enjeux. Pendant 22 ans, vu leur importance, les rares films des témoins d'observation d'OVNI ne vont pas à la police ou aux scientifiques. Ils sont plutôt colligés par des enquêteurs de l'armée de l'air, conformément aux objectifs du projet Blue Book. First of all, to try to determine if the UFO phenomena presents a threat to the security of the United States. And second, to determine if the UFO phenomena exhibits any technological advances which could be channeled into research and development. En 1969, l'affaire est classée. L'armée de l'air en vient à la conclusion que les données sont insuffisantes et que les ovnis ne représentent aucune menace. Ils ont évalué 32 001 comptes rendus d'observation qu'ils ont tous catalogués. Ils ont fait une évaluation qualitative de chaque rapport. Ils ont conclu que 21% des 32 001 observations qu'ils ont analysées devaient être classées parmi les non connus. Une catégorie bien distincte des 10% mises de côté par insuffisance de données. Ils ont constaté que plus l'observation était documentée, plus elle se classait parmi les inconnus. Et malgré cela, qu'est-ce que le secrétaire de l'armée de l'air a dit à la population? Il a dit qu'en se basant sur ce rapport, on croit qu'aucun objet correspondant à la description populaire des soucoupes volantes n'a survolé les États-Unis. Mais bien des gens ne sont pas convaincus par le rapport et les conclusions de la commission gouvernementale. En 1987, un événement inattendu semble leur donner raison. Le chercheur britannique Tim Good
met notamment la main sur un document présumé confidentiel destiné au président Dwight Eisenhower, en date du mois de novembre 1952. Ces documents semblent confirmer que le gouvernement américain a effectivement recouvré clandestinement les cadavres de quelques extraterrestres après l'écrasement d'un appareil volant près de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Les responsables de l'opération y sont désignés The Majestic 12, les 12 majestueux. Selon ces documents, un éleveur local a rapporté la découverte des débris d'une soucoupe volante qui se serait écrasée à 120 km au nord-ouest de la base de l'armée de l'air de Roswell, au Nouveau-Mexique, en 1947. Les sauveteurs y auraient trouvé les cadavres de 4 extraterrestres. Les débris et les corps auraient été transportés en divers endroits pour en faire l'analyse. Il n'y a aucun doute que ces documents étaient extrêmement importants. Rien de tel n'avait jamais transpiré. C'est de la dynamite. La preuve de l'existence des soucoupes volantes, des extraterrestres, de tout. Cela implique, 1, que la Terre est visitée par des vaisseaux extraterrestres, et 2, que non seulement le gouvernement le sait, mais qu'en outre, il possède des vestiges et des corps d'extraterrestres depuis au moins 1947. Les experts ne sont pas tous aussi catégoriques. 10 minutes après avoir examiné ces documents, en me basant sur mes recherches antérieures sur les ovnis, je savais qu'ils n'étaient pas authentiques. Parmi les documents qu'a reçus Tim Good figure un mémorandum du président Truman à son ministre de la Défense. Certains observateurs n'ont pas tardé à remarquer que la signature de ce document est identique à celle d'un autre document officiel, celui-là. Tous ceux qui connaissent les techniques d'analyse des documents savent que la signature d'une personne n'est jamais exactement la même. Cela nous a indiqué que la signature du document antérieur, qui est authentique, a été découpée par le faussaire et collée sur ce faux document pour faire croire à son authenticité. Ils affirment que la signature est identique à celle d'un autre mémorandum que j'ai moi-même trouvé d'ailleurs. Je soutiens que si on les compare sur une plaque lumineuse, on voit clairement qu'elles ne sont pas identiques. Tim Good reconnaît qu'il puisse très bien s'agir d'un faux document fabriqué de toutes pièces. Mais il n'en invalide pas le contenu pour autant. Pour moi, l'élément clé, c'est la signature. Mais je suis certain que peu importe qui a fabriqué ce document, s'il a été fabriqué, cette personne était très bien renseignée. Il ne pourrait en être autrement et il n'y a aucun doute que les documents destinés au Majestic 12 nous ont mis sur la bonne piste. Et je crois qu'au fond, l'information qu'on y trouve est exacte. Afin d'obtenir les dossiers gouvernementaux sur les ovnis, le groupe Citizens Against UFO Secrecy s'adresse aux tribunaux. L'Agence de la Sécurité Nationale tente d'y faire obstacle. Nous avons demandé les 21 pages d'affidavit ultra secret. Le juge a analysé le tout. Et en fin de compte, nous les avons obtenus. L'ennui, c'est que lorsqu'on les feuillette, on constate qu'il y a de plus en plus de segments noircis, jusqu'à des pages entières. Il manque 75% du document. On nous a suggéré de gratter l'encre noire, mais ce sont des photocopies. La dissimulation en tant que telle est prouvée par les documents remis par des agences comme le FBI, qui avaient nié toute implication avec la recherche sur les ovnis, jusqu'à ce que la loi sur l'accès libre à l'information démontre qu'ils mentaient. L'agence a fourni 1100 pages de documents. La CIA avait nié s'intéresser à ce dossier. Or voilà que nous avons maintenant des milliers de pages qui se rapportent aux ovnis et qui remontent jusqu'aux années 40. Ce qui démontre clairement qu'il y a eu une dissimulation. Le Center for UFO Studies est convaincu du sérieux du dossier OVNI. Ses archives couvrent plus de 100 000 observations rapportées. Plus de 20 années de travail dans ce domaine m'ont convaincu de l'existence d'un phénomène étrange que la science officielle néglige.
pas la population, les scientifiques. Et cela se fait au détriment de la science. Mais jusqu'à maintenant, aux États-Unis du moins, ces dossiers restent lettres mortes. Moscou, mars 1990. On a aperçu des lumières clignotantes dans le ciel au nord-est de Moscou. Pendant 3h30, les chasseurs de l'armée de l'air tentent de cerner l'objet volant non identifié qui se déplace à une vitesse estimée à près de 5000 km à l'heure. Au sol, le radar n'a enregistré aucun écho. Mais on a pris des photos et l'imagerie thermique est concluante. Les Russes sont formels. Il ne s'agit pas d'un avion furtif américain. Nous n'avons jamais pensé qu'il s'agisse d'un avion furtif américain. Les échos-radars ne sont pas les mêmes. L'avion furtif se compare à un avion ordinaire sur le plan de la vitesse et de la manœuvrabilité. Les ovnis sont très différents. La consigne non officielle, ne jamais ouvrir le feu contre un objet volant non identifiable. Depuis 1977, un groupe d'études non officielles du ministère de la Défense de la Russie a recueilli des centaines de comptes rendus d'observation dans l'espoir de recueillir des renseignements technologiques à l'intention des militaires. Les recherches se poursuivent dans la clandestinité. Leur dossier mentionne plusieurs cas, dont ce rapport d'un pilote qui a aperçu une lumière qui fonçait sur lui en vol. L'avion a amorcé une descente en piqué. L'appareil a pu atterrir, mais au sol, on a constaté que l'aile gauche était endommagée. Projetée pour la première fois en Occident, cette séquence tournée par un amateur montrerait un ovni qui plane au-dessus du Parlement de Vilnius, la capitale de la Lituanie. L'appareil, qui ne faisait aucun bruit, semble sur le point d'atterrir. Le lendemain, à l'aube, la milice locale enregistre cette vidéo. Voici l'allure du visiteur nocturne après traitement infographique. Il se déplace différemment d'un hélicoptère ou d'un avion. Lors d'un autre incident, en 1977, des centaines de personnes ont aperçu un ovni géant qui survolait la ville de Petrozavodsk, dans le nord-ouest de la Russie. L'analyse a cependant conclu qu'il s'agissait de la combustion du premier étage d'une fusée à la suite du lancement secret d'un satellite artificiel. L'Académie des sciences considère néanmoins que ces phénomènes sont dignes d'une enquête sérieuse. Outre les recherches militaires, cet organisme gouvernemental de recherche fondamentale coordonne la cueillette des données de 10 autres centres scientifiques. Nous analysons les rapports d'observation d'OVNI. Dans certains de ces cas, nous effectuons des recherches sur le terrain. Une observation d'OVNI survenue ici fait l'objet d'une enquête depuis 12 ans. Plusieurs passagers d'un train ont déclaré avoir aperçu un OVNI. Ils affirment qu'un appareil métallique s'est posé ici. Le biologiste Yuri Semyakov pense qu'il s'y est effectivement produit des changements permanents. Nous pensons qu'il puisse s'agir du point d'atterrissage. L'endroit est très intéressant à cause de l'intensité du champ magnétique local. Nous y avons aussi effectué diverses analyses physico-chimiques et biologiques. Il a constaté que les organismes vivants fuient cet endroit. Cela concorderait avec les observations faites à d'autres sites d'atterrissage présumés d'OVNI, où le sol semble vide de toute vie, même de micro-organismes. Le plus étonnant, c'est que les échantillons de terre prélevés sur le site contiennent de petites sphères. Ces recherches l'amènent à conclure qu'elles sont d'origine extraterrestre et qu'elles contiennent de l'ADN,
la base de la vie. Mais les tests effectués aux États-Unis sont partagés. Certains concluent à une substance d'origine inconnue, d'autres à des composantes de systèmes de filtration. Certains chercheurs russes croient néanmoins qu'il s'agit de microsondes biologiques d'origine extraterrestre. Le 28 novembre 1980, à Todd Morden, en Angleterre, le policier anglais Alan Guthrie effectue sa ronde de nuit lorsqu'il aperçoit un objet qu'il n'arrive pas à identifier. Je travaillais de nuit, de 22h à 6h. J'ai décidé d'aller voir la propriété d'en haut. J'allais tourner lorsque j'ai aperçu cet objet à près de 500 mètres plus haut. En approchant de l'objet, j'ai compris que j'étais devant quelque chose de plutôt inhabituel aux petites heures du matin à Todd Morden. J'ai pensé qu'il s'agissait d'un ballon d'air chaud qui était tombé. Mais plus je m'en approchais, plus j'ai compris qu'il s'agissait d'un vaisseau métallique de fabrication humaine. C'était quelque chose de tangible, pas une hallucination. C'était réel. L'objet avait un diamètre de 20 pieds, une hauteur de 14 pieds. Il avait une forme de losange. La moitié du bas était en rotation. Celle du haut était stationnaire. Il possédait une rangée de hulots sombres, mais cela pouvait aussi être des panneaux. Si j'étais sorti de la voiture, j'aurais pu prendre une brique et la lancer, et j'aurais probablement su s'il s'agissait de hulots de verre ou non. Les arbres qui bordaient la route tremblaient violemment. Les feuilles et les branches étaient projetées tout autour. Mais dans la voiture où j'étais assis, je n'ai senti aucune vibration. Je n'ai entendu aucun bruit. J'ai pris mon calepin, je l'ai placé sur mes genoux et j'ai commencé à dessiner. Et pendant que je dessinais l'objet, soudain, je me suis retrouvé de l'autre côté, au volant de l'autopatrouille. Et l'objet avait disparu. En outre, il n'a aucun souvenir d'une certaine période de temps. Après une séance d'hypnose, le policier recouvre quelques souvenirs. On était dans l'obscurité totale. J'ai alors senti que je flottais, comme si moi, ou moi dans un autre véhicule, peu importe, je flottais. Puis je me suis réveillé dans une pièce où il y avait un humanoïde très grand. Je dis humanoïde à défaut de mieux. Il mesurait 6 pieds 6. Il était très grand, mince et barbu. Il portait une calotte et une tunique blanche. Et alors, on m'a demandé de m'étendre sur le lit. On me demande comment il m'a demandé cela, mais je n'ai pas vu bouger sa bouche. Il ne parlait pas, il voulait simplement que je m'étende sur le lit. De toute évidence, quoi que cela ait été, cela avait une certaine influence sur mes pensées. Or, je me sentais à l'aise avec lui. J'avais l'impression de l'avoir déjà rencontré. Je ne ressentais pas de peur, rien du genre. Je ne me sentais pas en danger. Alors je suis étendu sur le lit et puis ces horribles petites choses s'amènent. Ils étaient en forme d'ampoule avec des yeux noirs, sombres. C'est la meilleure description que je puisse en faire. Et ils étaient 7 ou 8. Les policiers qui étaient dans le secteur affirment avoir aperçu une lueur dans le ciel. Quant à Alan Guthrie, il est convaincu que ce qu'il a vu est bien réel. Je sais que ce que j'ai vu cette nuit-là est bien réel. Très réel. Depuis l'espace, notre Terre apparaît comme un vaste monde dans lequel la vie a pu se développer. Aujourd'hui, sur la planète bleue, les océans et les continents sont peuplés par des millions d'espèces de plantes, d'animaux, de virus ou de bactéries, et par plus de 7 milliards d'êtres humains. «
Mais dans l'immensité de l'univers, notre Terre n'est rien d'autre qu'un minuscule confetti. Loin, très loin de nous, se trouvent des milliards de galaxies, d'étoiles et de planètes. Alors, est-il possible que parmi ces mondes inconnus, situés à des années-lumière d'une autre, d'autres êtres vivants aient pu prospérer? La vie sur Terre serait-elle une exception, le fruit d'un hasard unique et singulier? Depuis des décennies, astronomes et biologistes scrutent le ciel à la recherche du moindre signe de vie extraterrestre. Ils pointent leurs télescopes vers les confins de l'espace pour détecter des planètes sœurs de la Terre où des formes de vie auraient pu se développer. Dans le monde entier, des hommes et des femmes tentent de résoudre enfin l'une des plus grandes énigmes de l'humanité. Sommes-nous seuls dans l'univers? L'existence de la vie ailleurs que sur la Terre alimente depuis longtemps les mythes et les légendes. OVNIs, extraterrestres, martiens. Les auteurs de science-fiction ou les témoins d'événements anormaux véhiculent cette idée qu'un jour, une rencontre avec des êtres venus d'une autre planète est possible. Pour découvrir si cette idée relève du fantasme ou de la réalité, c'est l'univers tout entier qu'il faudrait parvenir à explorer. Mais les énigmes qui l'entourent sont nombreuses. Créé lors du Big Bang, il y a environ 13,5 milliards d'années, il est tellement vaste que nous n'en connaissons même pas les dimensions. À l'intérieur se trouveraient des centaines de milliards de galaxies, et dans ces galaxies, des centaines de milliards d'étoiles. Notre Soleil et les 8 planètes qui gravitent autour ne sont donc que quelques grains de poussière dans le cosmos. Alors, où commencer cette quête de la vie ailleurs? Dans quelle direction regarder? Et que chercher? Il y a 50 ans, un ambitieux programme de recherche a tenté le premier de répondre à ces questions. Dans le nord de la Californie, au milieu des montagnes, des dizaines de paraboles pointent leurs antennes vers le ciel. Elles sont le cœur du programme SETI, pour Search for Extraterrestrial Intelligence. Depuis 1960, elle capte 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 les ondes radio en provenance de l'espace. L'objectif, détecter un signal venu d'ailleurs, envoyé par une autre civilisation. Dans l'univers, de nombreux objets célestes produisent des ondes radio. Pour déceler un éventuel message intelligent, les scientifiques tentent donc de capter ceux qui ne ressemblent à rien de connu. Une mission pour le moins ambitieuse, mais dont les chances de succès se révèlent très réduites. Au début, ça a enthousiasmé l'agence spatiale américaine, qui a commencé à mettre des télescopes un peu partout. On a Arecibo, puis des champs de télescopes pour essayer de scruter le ciel. Et puis, on s'est aperçu, avec l'augmentation des connaissances, que c'était vraiment un pari comme la loterie. Tout le monde espère gagner, mais il n'y a qu'un gros lot. Là, on ne sait même pas s'il y a un gros lot. Les recherches menées par le programme SETI ont en effet une limite de taille. L'hypothèse de départ est que si elle existe, une civilisation intelligente utiliserait des ondes radio pour communiquer. Or, pour de nombreux scientifiques, cette probabilité est extrêmement faible. Et même si c'était le cas, les chances de percevoir de telles ondes émises à des milliers d'années-lumière de nous sont infimes. L'utilisation des ondes radio pour communiquer est quelque chose qui, sur Terre, a à peine un siècle, qui va peut-être durer encore un petit siècle, quelque chose comme ça. Après, on trouvera d'autres systèmes, ça sera câblé, etc. Donc, on n'émettra pas grand-chose autour de soi. Deuxièmement, la puissance d'émission est limitante, puisque, bon, même si on émet beaucoup sur Terre, la puissance émise et rayonnée autour est infinitésimale. Et elle s'affaiblit par rapport progressivement avec la distance. Ce qui fait que
pour capter quelque chose, il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui soit émis. Personne, bien entendu, ne sait. Il faut que ce soit émis assez fort, au bon moment, parce qu'autrement on risque de passer à côté. Et il faut qu'on ait des instruments extrêmement sensibles pour être capable de détecter cette émission. Malgré ses limites, le pari du projet SETI est aujourd'hui encore l'objet de nombreux espoirs. Mais tandis que certains attendent patiemment de recevoir un signal émis par une civilisation intelligente, d'autres spécialistes se sont engagés dans une quête bien différente. Celle de la vie sous toutes ses formes possibles. Sur Terre, elle revêt une multitude de formes, des êtres complexes dotés d'intelligence jusqu'aux végétaux et aux bactéries les plus primitives. Alors, si la vie est apparue ailleurs dans l'univers, à quoi pourrait-elle ressembler? Pour le savoir, il faut d'abord définir précisément ce qu'est le vivant et surtout connaître en détail les ingrédients essentiels à son apparition. Mais on a beaucoup de mal à définir la vie. Et généralement, on ne sait pas définir de façon extrêmement stricte la vie. Je prends un exemple simple. Un grain de sable, c'est pas vivant. Ça, tout le monde est à peu près d'accord pour le dire. Comme un gros caillou. Bon. Nous, on est vivants. On est tous à peu près d'accord pour le dire. Un virus, on ne sait pas trop si c'est vivant ou pas. On ne sait pas où mettre la définition. Donc, on a un problème de limite. Le principe de base de tout être vivant est sa capacité à se diviser, à croître et à transmettre de l'information à sa descendance pour évoluer. Pour chercher si la vie a pu se développer sur une autre planète, des chercheurs tentent de découvrir comment elle y est parvenue chez nous, sur la Terre. Leur objectif ? Remonter au premier temps de l'histoire de notre planète pour connaître les formes de vie les plus simples qui peuvent exister. Des formes de vie qui pourrait être à l'origine de toutes les autres. Nous sommes au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans. Ici, la géologue Frances Westall et son équipe étudient d'étranges cailloux, des roches d'origine volcanique, vieilles de plusieurs milliards d'années. Dans les deux roches qu'on a ici, il y a une roche qui vient d'Australie. Elle est vieille de 3,5 milliards d'années et ce sont des cendres volcaniques qui ont été déposées en effet sur une plage. Cette roche-là, qui est très très lourde, vient d'Afrique du Sud. Elle est presque aussi vieille, 3,3 milliards d'années. Cette roche aussi, vous voyez, est laminée. Les laminations vert et noir, ce sont des laminations de sédiments, différents types de sédiments. Le vert, ce sont les sédiments volcaniques, les grains volcaniques, les sables volcaniques. Et le noir, ce sont des concentrations de carbone, souvent liées à des tapis microbiens qui se sont formés à la surface des sédiments. Donc là, on ne voit absolument rien. Mais je sais que ces roches sont bourrées de traces de vie. Des traces de vie. En d'autres termes, des micro-organismes primitifs et ancestraux. Voilà donc ce que contiendraient ces roches venues d'un autre âge. Sous l'œil d'un puissant microscope électronique, le tapis de microbes fossilisés se révèle dans ses moindres détails. Oui, ici on voit tous les filaments qui ont formé la surface de ce tapis. Tous les filaments sont en orientation, comme ça. Comme si elles ont été entraînées dans un flux d'eau. Il s'est formé sur la plage, dans une petite ruisseau qui sortait d'une source hydrothermale. Et en effet, c'est l'écoulement de ces fluides riches en silice de la source hydrothermale qui a tué le tapis et l'a fossilisé. C'est le plus vieux tapis microbien vraiment bien préservé en trois dimensions. Il n'existe pas un autre exemplaire au monde pour le moment. Ces bactéries filamenteuses de quelques micromètres de long sont donc les êtres vivants les plus primitifs jamais découverts. Des organismes simples, à partir desquels ont peut-être évolué les millions d'espèces qui peuplent aujourd'hui la Terre. Ailleurs dans l'univers, c'est aussi à ça que pourrait ressembler la vie.
Mais pour espérer la découvrir, il faut répondre à une autre question essentielle. Comment ces microbes sont-ils apparus il y a 3,5 milliards d'années? En d'autres termes, comment, sur Terre, sommes-nous passés de matériaux inertes à des êtres animés d'un souffle de vie? On n'a pas les réponses sur Terre. Et je suis pas sûr qu'on puisse la trouver un jour sur Terre. Bien sûr, on la cherche. On cherche surtout à dire, est-ce qu'on a des chances de la trouver? Par des expériences de chimie de laboratoire ou par de la géologie en allant plus loin. Mais là, il y a un trou. Et donc ce trou-là, l'apparition de la vie, le passage de l'inerte au vivant, actuellement, on ne sait pas y répondre. Et c'est tout le thème de la recherche de l'exobiologie et de l'origine de la vie. L'instant décisif où la vie a fait son apparition pour la toute première fois restera longtemps encore un mystère. Mais depuis plusieurs décennies, les biologistes ont malgré tout avancé à pas de géant dans leur compréhension de l'émergence du vivant. Tout a commencé en 1953, avec une expérience inédite réalisée par Stanley Miller, un jeune chimiste de l'Université de Chicago. Stanley Miller a fait une expérience, et il a dit « je vais prendre des ingrédients, comme si c'était de l'atmosphère primitive, et puis je vais faire des décharges électriques dedans, je vais voir ce qui se produit. » Et c'est comme ça qu'il a fait une des premières démonstrations, et la première démonstration historique, qu'à partir d'éléments simples, le gaz carbonique, CO2, l'eau, H2O, l'ammoniac, NH3, ou l'azote, N2, hein, donc des éléments simples, communs, etc., avec des éclairs électriques, en refroidissant, hein, on était capable de produire des molécules comme celles qui fabriquent la vie telle que nous la connaissons, des acides aminés. Les acides aminés sont considérés comme les briques du vivant, des éléments primordiaux, à la base de chaque organisme, du plus simple au plus complexe. Sur Terre, ils sont au nombre de 20. En s'assemblant les uns aux autres, ils forment les protéines, de longues molécules qui composent les cellules et assurent toutes les fonctions de l'organisme. Pour la première fois, Stanley Miller démontre que ces molécules peuvent se former spontanément à partir d'éléments simples. Du carbone, de l'hydrogène, de l'oxygène, de l'azote, du phosphore, du soufre. Des atomes présents partout à la surface de la Terre et qui réagissent entre eux lorsqu'ils sont soumis à un intense apport d'énergie. Il y a plus de 4 milliards d'années, les prémices de la vie sur notre planète seraient donc sans doute apparues ainsi. Mais alors ce même phénomène a-t-il pu se produire ailleurs dans l'univers ? D'autres astres ont-ils un jour été le siège de telles réactions chimiques? Le 28 septembre 1969, une météorite s'écrase dans le sud de l'Australie. Baptisée météorite de Murchison, du nom du village voisin, ce caillou tombé du ciel va révolutionner notre conception des origines de la vie. Dans la météorite de Murchison, on a trouvé 70 acides aminés différents. Donc on sait pas, ils ne sont pas des restes, ils ont été produits chimiquement quelque part. Des acides aminés semblent donc pouvoir être fabriqués ailleurs que sur Terre. Pour découvrir où dans l'univers de telles réactions chimiques auraient pu se produire, direction la région parisienne, au sein du prestigieux Institut d'astrophysique spatiale. Ici, Louis Dandecourt et son équipe s'intéresse depuis de longues années à des corps célestes bien particuliers, les comètes. En ce qui concerne les comètes, eh bien disons, ce sont au moment de la formation des planètes, tout ne s'est pas formé en planète, hein, il est resté énormément de mini-microplanètes qui ne se sont pas complètement formées, qui se sont agrégées. Donc tous les grains, qui sont des grains souvent de matière minérale, des grains de sable à la limite, se sont recouverts d'eau sous forme de glace, bien entendu, hein, c'est pas de l'eau liquide, et ces objets, quand ils se rapprochent près du Soleil, la glace fond, elle pousse les poussières qui se sont agglomérées au départ, et c'est ces poussières qui font qu'on voit une très belle queue sur les comètes. Ces agrégats de roches venus du fond des âges, Louis Dandecourt tente d'en reproduire la structure dans son laboratoire. Son objectif ? Savoir si, au cœur des astres glacés, se cachent
comme sur certaines météorites, les briques essentielles à l'apparition de la vie. À l'intérieur de cette petite enceinte sous vide, le chercheur injecte un mélange de gaz identique à ceux présents sur les comètes. De la vapeur d'eau, du méthanol, de l'ammoniac, du monoxyde de carbone. Puis il fait descendre le thermomètre jusqu'à moins 196 degrés. Soit précisément la température régnant dans le vide intersidéral, aux confins de notre système solaire. C'est ainsi qu'il reconstitue artificiellement de la glace cométaire. Pendant deux semaines, le mélange est bombardé par des rayons UV. Un rayonnement puissant qui équivaut à l'intensité émise par la lumière des étoiles pendant un million d'années. En fait, on est dans la même configuration qu'il y a deux semaines. On a arrêté la lampe qui produit les photons et on est prêt maintenant à sortir l'échantillon qui se trouve toujours dans le cryostat. Sous l'effet de cet apport d'énergie, les glaces subissent d'intenses transformations chimiques. Après analyse, les échantillons révèlent alors la présence d'acides aminés. On a en fait une sorte d'extension de l'expérience de Miller à des systèmes solaires entiers, si vous voulez, d'une certaine manière. Eh bien, c'est quand même un très gros encouragement parce que on pourrait généraliser l'expérience de Miller à d'autres systèmes stellaires qu'on observe, en fait. On fait une expérience de Miller qui est, en fait, qui est valide à l'échelle cosmique. Les acides aminés, les briques fondamentales du vivant, se formeraient donc spontanément au cœur des comètes. Il y a bien longtemps, c'est peut-être même grâce à ces corps célestes que les premiers d'entre eux sont arrivés sur notre planète. Selon certains spécialistes, la vie sur Terre pourrait ainsi avoir une origine extraterrestre, une origine cométaire. Cette découverte est un grand pas dans la recherche de la vie ailleurs. Car si les comètes ont pu ensemencer la Terre, elles ont peut-être également apporté des acides aminés sur d'autres planètes. Les premiers ingrédients indispensables à la vie pourraient donc se trouver n'importe où dans l'univers. Mais malgré tout, la présence d'acides aminés n'est pas forcément synonyme de vie. Alors les acides aminés sont encore des molécules un peu simples. Mais quand vous prenez des acides aminés et que vous les raboutez bout à bout, si vous en mettez plusieurs centaines, vous commencez à avoir des petites protéines. Donc on peut essayer de comprendre ce qui se passe pour fabriquer des molécules de plus en plus complexes, molécules qui seraient capables de s'auto-reproduire à un moment, ce qu'on appelle l'auto-réplication, et puis finalement de s'auto-organiser et donc de créer par exemple des longues chaînes moléculaires qui sont à la base du vivant. Pour évoluer vers la vie, les briques élémentaires doivent donc s'assembler, s'organiser et acquérir la capacité de se multiplier. Or, de telles réactions ne peuvent se produire que dans des conditions très précises. Les conditions d'apparition de la vie, il faut les ingrédients de base, donc carbone, hydrogène, oxygène, azote, phosphore, soufre, et encore toute une ribambelle de produits dans très petites quantités. Il faut un milieu dans lequel cela puisse se produire. En clair, c'est la chimie dans un milieu liquide, et le milieu liquide naturel, c'est l'eau. Donc il faut qu'il y ait de l'eau. Et pour que ces réactions puissent se produire et s'entretenir, il faut qu'il y ait des sources d'énergie. C'est de la chaleur, des éclairs qui transmettent de l'énergie à des nouvelles molécules. Ils sont capables donc de générer des nouvelles molécules de plus en plus complexes. De l'eau, de l'énergie et des ingrédients de base capables de former des molécules complexes comme les acides aminés. Voilà donc les éléments essentiels à l'émergence du vivant. Grâce aux comètes, les acides aminés peuvent potentiellement se trouver sur n'importe quel astre rocheux. Le Soleil et les milliards d'étoiles de l'univers apportent, quant à eux, de l'énergie en grande quantité à toutes les planètes.
L'eau, en revanche, l'eau sous forme liquide, est une ressource extrêmement rare. Partir en quête de la vie extraterrestre revient donc à chercher les endroits où de l'eau pourrait exister. Des endroits que les scientifiques ont baptisés les zones d'habitabilité. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Dans quelle région autour d'un soleil on peut trouver ces conditions? Alors, pour simplifier, la zone habitable, c'est si je prenais la Terre et que je sois capable de la déplacer plus ou moins près de son soleil, il y a un moment où ça va chauffer beaucoup quand je m'en rapproche, hein, il y aura une telle chaleur en surface que l'eau ne pourra exister que sous forme de vapeur. Il n'y aura plus de liquide. Si je m'éloigne, il va faire de plus en plus froid parce que je reçois de moins en moins d'énergie. Toute l'eau va se condenser, va devenir glacée. Donc je sortirai de la zone habitable. Donc ça me définit une zone habitable. Pour que de l'eau liquide subsiste à la surface d'une planète, celle-ci doit donc se trouver à la bonne distance de son étoile, ni trop loin, ni trop près. Dans notre système solaire, seule la Terre se trouve au cœur de la zone d'habitabilité. Mais pour de nombreux spécialistes, l'une de nos voisines pourrait, elle aussi, avoir abrité de l'eau dans le passé. Il s'agit de la planète Mars. Aujourd'hui, Mars est un désert hostile et froid. À sa surface, une atmosphère toxique et un désert rouge battu par des vents violents. Mais en se rapprochant, les traces d'un passé bien différent se révèlent. Des fleuves asséchés, des canyons, des deltas. Autant d'indices démontrant qu'autrefois, l'eau coulait à flot sur la planète rouge. Mars est en réalité à l'extrême limite de la zone habitable de notre Soleil. Il y a plusieurs centaines de millions d'années, elle était ainsi recouverte d'un vaste océan. Alors, cette eau aurait-elle permis à une vie extraterrestre de s'y développer? Et si oui, des organismes vivants ou fossilisés subsistent-ils encore quelque part? Depuis quelques décennies, la planète Mars fait l'objet de toutes les attentions. Américains, Russes, Européens y ont déjà envoyé près de 50 missions pour en percer les mystères. La dernière en date s'appelle Curiosity. Curiosity, donc, c'est un véhicule important, 900 kilos, une bonne quinzaine d'instruments dessus pour faire des observations, des analyses, des mesures de climat, etc. Donc c'est un engin extrêmement complexe. L'objectif premier de Curiosity, c'est de déterminer les conditions qui ont pu exister lorsque le cratère dans lequel il est tombé a été formé, et depuis qu'il a été formé. Donc c'est un peu déterminer les conditions d'habitabilité. Est-ce que la planète a connu une période humide? Est-ce qu'elle a duré assez longtemps? Et qu'est-ce que ça a produit au niveau de la géologie? Le rover Curiosity est commandé à distance par des équipes de la NASA en Californie. Mais en France, toutes les nuits, des scientifiques travaillent en temps réel avec leurs homologues américains. Nous sommes au Centre National d'Études Spatiales de Toulouse. Éric Lorigny est le responsable du FIMOC, le French Instrument Mars Operation Center. Dans la salle de contrôle, vaste cœur opérationnel, il dirige avec son équipe le fonctionnement de deux instruments embarqués sur Curiosity. Leurs noms, SAM et KEMCAM. L'instrument KEMCAM est un instrument qui envoie un laser sur des roches. Donc il envoie la puissance d'une centrale nucléaire sur 1 cm². Donc ça crée une explosion momentanée, mais très petite, sur la roche. Ça la met en fusion et la lumière émise par cette roche en fusion est analysée ensuite par des spectromètres qui permettent de savoir exactement la nature de la roche. L'instrument SAM
Il analyse, donc il récupère des échantillons, et il peut analyser soit de l'atmosphère, soit des échantillons solides, et après déterminer là très finement la nature exacte de ce qu'il y a à l'intérieur de ces roches ou de cette atmosphère. Avec ses mini-laboratoires embarqués, Curiosity est parti en quête de signatures de la vie. Très vite, ses premières analyses confirment que de l'eau a bel et bien coulé autrefois à la surface de la planète rouge. Mais pour naître et pour se développer, la vie a besoin de millions d'années. Alors, le précieux liquide est-il resté suffisamment longtemps? Pour le savoir, Curiosity a déployé son bras robotisé pour creuser le sol martien. Nous avons fait deux forages à l'intérieur de la planète Mars. Donc ce sont des trous de 6 cm à peu près de profondeur et qui font le diamètre d'une pièce de 1 cm. Voilà. Et ces deux forages que nous avons faits nous ont permis de découvrir de l'argile et de l'argile dans un milieu sans oxygène où la vie pourrait naître. L'argile est le fruit d'une longue dégradation de la roche par de l'eau. Sa présence est donc la preuve irréfutable que l'eau liquide a existé pendant longtemps sur le sol martien. Mais si la vie est un jour apparue sur la planète rouge, il est impossible qu'elle subsiste aujourd'hui en surface. Car Mars est en permanence soumise aux rayons cosmiques venus de l'espace. Des rayons puissants qui détruisent instantanément toute molécule organique. Le seul espoir viendrait donc des profondeurs de la roche. Le 8 février 2013, à quelques centimètres sous la surface, Curiosity a mis en évidence la présence d'un monde plus hospitalier. Des roches gris-vert, non oxydées, bien à l'abri des rayonnements nocifs. Pour l'heure, le rover n'y a décelé aucune trace de vie, ni même d'acides aminés. Mais ces premiers indices ont encouragé les scientifiques à poursuivre leur quête. Bientôt, un nouveau robot, encore plus performant, prendra la relève de Curiosity. Son nom, ExoMars. Développé par l'Agence spatiale européenne, son lancement en direction de Mars est prévu pour 2018. Mais cela fait déjà 10 ans que les chercheurs du Centre d'études spatiales de Toulouse travaillent à la fabrication de ce rover à la pointe de la technologie. Le planétologue Pierre-William Bousquet est à la tête des opérations. On considère que la vie, si elle existe encore dans le sous-sol, doit être au moins enfouie à 1 mètre, 1,50 m. Donc Curiosity, sa foreuse ne permet pas d'aller aussi profondément. Et de ce point de vue-là, il faudra attendre la mission ExoMars, qui est équipée d'une foreuse qui sera capable de creuser jusqu'à 2 mètres de profondeur pour trouver des formes de vie fossiles qui seraient mieux conservées et éventuellement trouver des formes de vie au présent s'il en existe encore. Cette foreuse permettra à ExoMars d'effectuer des prélèvements réguliers à une profondeur jamais atteinte. Grâce à une batterie d'instruments embarqués, il analysera ensuite les échantillons en quête du moindre indice de vie actuel ou fossilisé. En attendant que la planète rouge ne livre tous ses secrets, la recherche de la vie extraterrestre continue ailleurs dans le système solaire. Au-delà de Mars, les planètes rocheuses cèdent la place aux géantes gazeuses. À plus de 800 millions de kilomètres de la Terre, Jupiter et Saturne sont les planètes les plus imposantes du système solaire. Composées principalement d'hélium et d'hydrogène, leur surface n'est autre qu'un vaste océan de gaz. Autour d'elles, gravitent de très nombreux satellites naturels. Des astres rocheux qui attire l'attention des exobiologistes depuis de longues années.
Nous sommes au laboratoire de planétologie et géodynamique de Nantes. Ici, depuis plus de 10 ans, le planétologue Olivier Grasset et son équipe tentent de percer les secrets des satellites des géantes gazeuses. Pendant longtemps, c'est-à-dire avant l'émission Voyager, on a toujours considéré que l'environnement externe, c'est-à-dire le monde au-delà de Jupiter, est un environnement très froid, ce qui est vrai. Et très froid, c'est vraiment très froid. C'est-à-dire qu'à Jupiter, il fait à peu près moins 120 degrés Celsius. Et au niveau de Saturne, on est plutôt aux alentours de moins 150, presque jusqu'à moins 180. Enfin bon, ça commence à être vraiment très très froid. Et il est bien entendu que l'eau n'existe pas sous forme liquide. À la surface des lunes, au niveau des planètes, il n'y a pas d'eau liquide disponible comme on l'imagine sur Terre. Mais ce qui est vrai en surface n'est pas vrai en profondeur. Loin, bien loin du Soleil, les satellites des géantes gazeuses sont pour la plupart recouverts d'une épaisse couche de glace. Mais en 1979, la sonde Voyager 1 découvre Europe, la sixième lune de Jupiter. Les clichés révèlent alors une surface extrêmement lisse, la plus lisse de tout le système solaire, parcourue par de mystérieuses lignes sombres. 15 ans plus tard, la mission américaine Galileo livre des photos en haute résolution et vient approfondir ses observations. Une façon assez simple de l'expliquer, c'est quand on a des poches liquides en dessous. C'est beaucoup plus difficile à expliquer si on n'a que du solide en dessous. Il y a aussi des très grandes fractures, plusieurs milliers de kilomètres à la surface. Et ces fractures, en fait, on a pu voir qu'elles n'étaient pas faites de glace pure, mais qu'elles étaient faites avec un mélange de glace et de sel. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qui très rapidement nous a fait penser, bah, en dessous, il y a peut-être un océan liquide avec des sels, un océan salé. Parce que si à un moment je casse la croûte, l'océan salé remonte et puis ce qui va me rester, c'est cette signature de sel le long des lignes. En 1997, la mission Cassini s'envole à son tour pour explorer le système de Saturne. Et là encore, une lune au comportement exceptionnel va mettre en émoi la communauté scientifique. Son nom, Encelade. Jusqu'à la mission Cassini, Encelade est une lune parmi tant d'autres. Jusqu'au jour où Cassini survole la lune et se rend compte qu'il y a un geyser, alors là un geyser géant, hein, qui existe au niveau du pôle sud et qui évacue en permanence de l'eau liquide dans l'espace. Et Cassini est passé au travers de ce geyser et a démontré que c'était bien de l'eau, enfin qu'il y avait d'autres constituants, mais principalement de l'eau, ce qui nous a permis d'affirmer qu'il y avait une poche liquide sous la glace au niveau du pôle sud. Encelade, tout comme Europe, mais aussi d'autres lunes appelées Callisto et Ganymède, posséderaient donc de profonds océans. Mais cette eau est enfouie sous des kilomètres de glace dans l'obscurité la plus totale. Dès lors, peut-elle malgré tout héberger des êtres vivants? Sans aucun apport de lumière, la vie est-elle capable de subsister? En parallèle à l'exploration spatiale, on a poursuivi avec des moyens nouveaux l'exploration de la Terre, d'autres disciplines scientifiques. Et ils ont découvert qu'il y avait des organismes, des micro-organismes essentiellement, mais même des organismes supérieurs, qui vivaient dans des conditions tout à fait particulières. Et ils ont appelé ça des extrémophiles. Donc ça voulait dire que la vie aurait pu exister et se développer sur ces corps célestes dans des conditions beaucoup plus larges que les conditions physiques qu'on connaissait au départ sur la Terre. Pour les spécialistes, ces organismes ultra-résistants seraient donc capables de survivre dans les océans enfouis des satellites glacés. Mais pour que de telles formes de vie apparaissent, un autre élément se révèle essentiel. Today's announcement of a really fascinating result about current water on Mars is one of the reasons why
I feel it's even more imperative that we send astrobiologists and planetary scientists to Mars to explore the question of, is there current life on Mars? From the Curiosity rover, we now know that Mars once was a planet very much like Earth, with warm, salty seas, with freshwater lakes, probably snow-capped peaks and clouds and a water cycle, just like we're studying here on Earth with our Earth science satellites, the water cycle here on Earth. But something has happened to Mars. It lost its water. But we still have, in the atmosphere and on the surface, for the most part, but we still have this question of, did life arise on Mars once, and can we find out? Mars suffered a major climate change and lost its surface water. Today, we're revolutionizing our understanding of this planet. Our rovers are finding that there's a lot more humidity in the air than we ever imagined. As we ingest the soils, they're moist, they're hydrated, full of water. These discoveries are very important, but they were only part of the hydrological cycle on Mars that we're just now beginning to understand. What we're going to announce today is that Mars is not the dry, arid planet that we thought of in the past. Today we're going to announce that under certain circumstances, liquid water has been found on Mars.